Bonjour à tous, c'est Jaslof et ceci est le premier épisode de mon guide sur les armes de Battlefield Heroes. Pour ce premier épisode, nous allons parler des principales armes de la classe soldat. Je veux parler des SMG, les Small Machine Gun, petite mitrailleuse en pensée, ou plutôt mitraille, c'est tout de même plus simple à dire. Si vous n'avez pas vu l'introduction à mon guide, je vous conseille d'aller la voir afin de comprendre comment je classifie les armes. Donc, durant cette vidéo, nous allons lister les mitraillettes en trois catégories de portée. Ensuite, nous verrons en détail leurs statistiques. Et enfin, nous terminerons sur des conseils et des astuces de jeu afin de pouvoir tirer le meilleur de vos armes. Allez, let's go! Tout d'abord, commençons par les armes de moyenne portée. Donc, voici la liste des SMG de moyenne portée et chacun de leurs skins qui existent à ce jour. Les armes dans la colonne de gauche sont les armes basiques et les armes de droite sont les armes améliorées. Ce que j'appelle les armes améliorées, pour rappel, ce sont les armes super et uber, ainsi que tous leurs reskins. Toutes les SMG de moyenne portée ne sont pas présentes de cette liste, car certaines, comme les SMG robots, laser, semi-automatiques ou à rafale, possèdent des cadences de tir et une plage de dégâts qui leur sont uniques. Sachez que dans cette liste, la M16 et la AK-74 à lunettes sont tous deux équipées d'un zoom grossissant, activable par le tir de bouton secondaire, et qui, je précise car j'en ai fait le test, n'augmente pas la puissance, la précision ou la portée lorsque l'on vise. Les balles de feu annulent le zoom et on ne peut pas équiper d'accessoires de tir secondaire sur ces armes. Voyons voir leurs statistiques. Pour plus de lisibilité, les caractéristiques concernant uniquement les armes basiques sont en vert, et ceux concernant uniquement les armes améliorées sont en rouge. Je précise qu'aucun de ces chiffres ne sont officiels, et qu'ils proviennent tous de mes tests. Ils peuvent ne pas être exacts à 100%. Commençons par le plus important, les dégâts selon la portée. À bout portant, les SMG de moyenne portée infligeront entre 5 et 9 points de dommage. À moyenne portée, entre 8 et 12 points de dommage, et à longue portée, à nouveau entre 5 et 9 points de dommage. Comme vous pouvez le voir, ces armes infligent des dégâts plutôt faibles, excepté à la moyenne portée. Lors d'un coup critique, vous ajoutez 20 points de dégâts à votre SMG basique et seulement 15 à une SMG améliorée. Et oui, l'arme basique fait de plus gros dommages en coup critique, mais n'oubliez pas que les armes améliorées en font davantage. Les SMG basiques possèdent 30 balles par chargeur et les améliorés en possèdent 35. Et le rechargement des deux types se fait en 2 secondes. Pour ce qui est de la cadence de tir, les SMG de moyenne portée ne frappent pas très vite, à cause d'une cadence de tir de seulement 270 coups par minute environ. Et pour finir, ces armes sont plutôt précises. Continuons avec les armes de courte portée, dont voici la liste. Précisons que la clouteuse et la grosse tempête sont tous deux équipées d'un fusil à pompe en tir secondaire. Et voici leurs statistiques. À courte portée, ces armes infligeront entre 9 et 14 de dégâts. À moyenne portée, entre 7 et 9 de dégâts. Et enfin, entre 4 et 9 de dégâts à longue portée. Comme vous pouvez le voir, les SMG de courte portée font davantage de dégâts à courte distance. Des dégâts moyens à moyenne distance et des dégâts plutôt faibles à longue distance. Les SMG de courte portée possèdent les mêmes dégâts critiques que ceux de moyenne portée, avec 20 dommages supplémentaires avec une arme basique et 15 dommages supplémentaires avec une arme améliorée. Les armes basiques possèdent des chargeurs de 40 balles et les améliorées de 45 balles. Leur temps de rechargement est également de 2 secondes. Mais leur cadence de tir est bien supérieure à celle des SMG de moyenne portée, avec environ 360 coups par minute. Soit 90 balles de plus en 60 secondes, ce qui est la principale force des SMG de courte portée. Et malgré cela, elles restent moyennement précises, ce qui est suffisant pour les combats à moyenne portée. Enfin, voyons la dernière catégorie de portée avec les SMG de longue distance. Précisons que les fusées surréalistes et irréalistes sont tous deux équipés d'un tir secondaire qui ensuite boule d'énergie, infligeant environ 20 points de dégâts et envoie 20 dagues les ennemis en l'air. Et voyons voir leurs statistiques. À bout portant, vous infligerez entre 1 et 9 de dégâts, à moyenne distance entre 8 et 13 de dégâts, et enfin à longue distance entre 9 et 15 de dégâts. Ces armes sont donc bien puissantes à moyenne et à longue distance, toutefois elles infligent des dégâts ridicules en combat rapproché. Les bonus de coups critiques restent les mêmes, 20 pour les armes basiques et 15 pour les améliorées. Le chargeur d'une SMG basique de longue portée est de 25 balles et de 30 balles pour la version améliorée. Leur chargeur est plutôt petit par rapport aux SMG de courte et de moyenne distance, mais cela ne devrait pas être trop gênant, car les chargeurs se vident quand même très lentement, car les SMG de longue portée crachent environ 180 balles par minute, ce qui est quand même très faible. Et enfin, ces armes font preuve d'une grande précision. Il est maintenant temps de s'attaquer aux conseils de jeu, car il est bien beau de connaître ces armes sur le bout des doigts, mais savoir s'en servir en plus, c'est mieux. On va donc se servir des caractéristiques des différents types de SMG que nous avons évoqués jusqu'ici. Commençons par les armes de moyenne portée. Nous avions déjà vu que ces armes n'étaient puissantes qu'à moyenne portée. Cependant, grâce à leur cadence de tir moyenne supérieure à celle des armes de longue portée, et grâce à leur précision,
Elle reste tout de même assez efficace jusqu'à une distance bien raisonnable. Les arcadors de tir restent trop faibles en combat rapproché, ce qui nécessite le port d'une arme de courte portée à seconde arme afin d'être le plus polyvalent possible. S'équiper de l'aptitude balle de feu peut être également très intéressant afin d'augmenter significativement les dommages que vous infligerez pour tenter de compenser la faible cadence de tir. Passons aux armes de courte portée. Leur puissance de feu en combat rapproché et leur forte cadence de tir surpassent largement les autres armes du soldat au corps à corps, à part peut-être le fusil à pompe de courte portée qui fait également des dommages colossaux. Cependant, les SMG de courte portée sont également redoutables à moyenne distance, peut-être même plus que les SMG de moyenne portée, car même s'ils sont moins puissants que ces derniers, leur cadence de tir les surpasse largement. Je vous recommande fortement l'utilisation d'une arme de longue portée avec votre SMG de courte portée, afin de ne pas vous retrouver démunis face à des adversaires équipés par exemple de snipers ou dans des cartes avec de grands espaces vides. L'aptitude balle de feu est probablement plus dispensable avec les SMG de courte portée car elles infligent déjà beaucoup de dommages en combat rapproché, mais elles restent cependant utiles pour suivre la trace d'un ennemi grâce au point qui s'affiche à l'écran, ainsi que pour réduire en fumée la couverture d'un éventuel commando invisible. Maintenant, les SMG de longue portée. Comme vous le savez déjà, elles sont très puissantes à moyenne et à longue portée, mais leur si faible cadence de tir rend ces armes presque inutiles au-delà de la longue portée. Mais leur remarquable précision couplée à leur puissance et éventuellement à des balles de feu les rend précieuses face à des snipers ou à des ennemis très éloignés. Je ne peux bien évidemment que vous conseiller d'utiliser une arme de courte portée avec une SMG de préférence car les chargeurs des pistolets et des fusils à pompe de courte portée se vident très vite et sont donc plus utiles aux côtés d'armes plus polyvalentes comme les SMG de moyenne portée. Et pour finir, n'oubliez pas ces quelques aptitudes extrêmement utiles. Tout d'abord, la médecine de guerre, qui est indispensable d'upgrader au maximum dès le début afin de réussir beaucoup plus souvent vos duels et pour maintenir vos coéquipiers en vie. N'oubliez pas que plus nombreux sont les coéquipiers que vous soignez en même temps, plus les soins distribués aux autres et à vous-même seront importants. Et enfin, n'oubliez pas l'aptitude Blasting Strike, dont je ne dirai pas le nom en français car je vois pas du tout à quel rapport elle a avec ses effets, qui permet de repousser tout ennemi loin de vous. Sachez que les armes d'un artilleur sont bien plus puissants que vos SMG à courte portée, mais beaucoup moins à moyenne portée. Tâchez donc de les tenir loin de vous. Comme vous l'aurez compris, la portée est quelque chose de très important dans Battlefield Heroes, principalement car elle influe directement sur les dégâts que vous ferez. J'espère que cet épisode vous aura été utile. Si vous avez une quelconque remarque à faire, n'hésitez pas, et n'oubliez pas le pouce vert. Et bon jeu !